Dans le milieu, il était surnommé « Yeux Bleus ». David Gras, l'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe, s'est rendu, ce jeudi, après 7 ans de cavale. David Gras s'est présenté au greffe de la cour d'assises du Nord jeudi dans la matinée pour se constituer prisonnier, a indiqué une source judiciaire. David Gras, l'un des criminels les plus recherchés d'Europe, s'est livré à la justice à Douai, a parallèlement indiqué la police nationale sur Twitter, actu. David Gras, l'un des criminels les plus recherchés d'Europe, s'est livré à la justice a condamné à 25 ans de prison pour un braquage mortel commis en 2011, il fait sa partie des fugitifs. pic.twitter.com/ojitod5as-police-nationale-auguste 2, 2018 condamné en 2016 notamment pour sa participation à l'attaque à l'explosif du dépôt d'argent d'Orly, Val-de-Marne, qui avait fait un mort. Cet homme avait écopé, en son absence, d'une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Immédiatement écroué en septembre 2011, des assaillants avaient attaqué très tôt le matin à l'explosif la société de transport de Fontémis à Orly et avaient emporté un butin de plus de 8,2 millions d'euros. Lors de ce braquage, un convoyeur de fonds avait été tué, un passant avait été brièvement pris en otage et les braqueurs avaient tiré sur la police pour couvrir leur fuite. Cette attaque avait suscité une vive émotion parmi les convoyeurs et avait surpris par son audace et sa violence. Selon Le Point, il se serait présenté à la cour d'assises de Douai, Nord, vers 11 h accompagné d'un avocat. Il a été immédiatement écroué.